Apocalypse chapitre 13. Et moi, je sais que mon capitaine a dit ça. Nous lisons le verset 7. Otangi Tantara Sambo. Apocalypse chapitre 13, verset 7. Et moi, je sais que Zomi a dit ça pour mon logo et à Sambo. Et je vais descendre. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et des vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu. Tout peuple, toute langue et toute nation. Ce verset m'a toujours frappé. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous l'adoreront. Ce dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Et nous ajoutons le verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait des cornes semblables à celles de l'agneau et qui parlait comme un dragon. On a qui sous nyama, oyakimaki na mokili. On va venir du temps, nous prenons le verset 16. Et nous descendons jusqu'au 18e verset, il est dit. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, esclaves, marque sur leurs mains. Les mains droites ou sur leurs fronts. Et que personne ne puisse acheter du ventre. Regardez comment est-ce que je vais faire la différence. Sans avoir la marque. La marque, c'est pas le tout. Le nom de la bête. Kongo Yanyama. Le nom de la bête. Kongo Yanyama. Et le nombre de son nom. Pekotuya ya Kongo nae. C'est-à-dire qu'il y a la marque de la bête. Nikoloba Ezana Elembo Yanyama. Il y a la marque. Elembo. Il y a le nom de la bête. Kongo Yanyama. Ou le nombre de son nom. Pekotuya ya Kongo nae. Et les frères ont dit, c'est ici l'intelligence. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Voudriez-vous comprendre le Thessaloniciens chapitre 5 rapidement? Un Thessaloniciens chapitre 5 du premier, je descends jusqu'au troisième verset, il est écrit. Pour ce qui est de temps et de moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un volet d'arabe. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une rue soudaine les surprendra. Comme le douleur de l'enfantement suprême, la femme enceinte, ils n'échapperont point. Mais vous frères, vous n'êtes pas dans le ténèbre pour que ce jour vous surprenne comme vous. Je veux que le Seigneur ajoute des explications à la réalité des enfants. Aujourd'hui, nous voulons mettre un peu de lumière sur la lumière de l'Apocalypse 13. Par la grâce du Seigneur, nous avons donné l'origine de la vision. Et dans tout cela, qu'est-ce que le Seigneur veut nous expliquer?
Le maître a dit ceci. Ce qui arrive du temps de Noé arrivera de même. Ce qui arrive au temps de Lot arrivera de même. Pourquoi le Seigneur insistait sur ces choses? C'est pour que quand l'Église verra ces choses, qu'elle prenne garde. Je suis venu vous rappelez ce matin. Le monde que nous vivons est facile, tremble. Les économistes tâtonnent. Les scientifiques tâtonnent. Par-ci, par-là, il y a des tremblements de terre. Il y a des révoltes. Mariage, gay. La sodomie, l'homosexualité. Quand nous voyons ces choses, nous nous rappelons de la parole du Seigneur. Que le voyage est prêt de terminer ce sacrifice. Pour l'heure qu'on le monte. Oui, je vous rappelle ce matin, la terre t'attend parce que c'est comme une femme qui souffre les douleurs d'avancement. La terre souffre les douleurs d'avancement pour enfanter la véritable terre où la justice a lieu. Non, où la justice habitera. Vérifiez la terre aujourd'hui, vous allez voir. Le diable a fait tout pour que vous soyez dans la distraction. Le frère Paul nous a dit, les temps seront durs. Les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Quand je vois l'engouement aujourd'hui tout autour de football, tout autour de cinéma, tout autour de Facebook, tout autour de ces choses, les gens ne donnent plus l'accès à la parole, mais la distraction, le plaisir de ce monde a dominé. Je comprends que toutes ces distractions seront nous éloigner du Seigneur. Bulu yekende ke bato bazali ko bomanso to likolo ya misano ya ndembo, likolo ya masano, likolo ya biloko ya kotala na misu, na milobi na kati na ngai ete mokili ekoti na kati ya bulu yeke makasi po kwesengeli na biso kokeba. Aujourd'hui les gens sont des ingrats, bato bazali susu na egoiste, makambo ezokoma mpasi koleka, on doit croire à qui? Bakondimela nani? Même dans des églises, ata na kati ya mangomba, des trahisons, des troubles. Oui, ce sont des sujets du temps de la fin. Mais le Seigneur a dit, l'iniquité sera accrue. La charité de bon nombre se refroidit. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Pour persévérer, on a besoin du message. On a besoin de l'évangile. L'évangile qui n'est pas corrompu, qui n'est pas souillé, c'est cet évangile qui doit nous préparer à affronter les épreuves et sortir de l'eau. Est-ce que vous m'entendez? Je vous ai apporté le message d'espoir ce matin, de réconfort ce matin, pour vous dire que parce que vous êtes la race d'Abraham, nous n'allons pas mourir dans l'Égypte. Nous allons voir des mini-chips. Nous allons voir des cuisses de filles. Nous ne les tomberons jamais. Parce que nous sommes la postérité d'Abraham. Dans nos téléphones, on va voir des films de pornographie du passé. Nous n'allons pas les visionner. Mais vous allez voir. Je suis venu vous rappeler. Vous allez entrer dans
de fausses lions. Vous sortirez comme Daniel. Vous allez entrer dans la fournaise ardente. Vous sortirez comme Shadrach, Meshach et Abednego. Vous savez pourquoi? Vous avez la semence. Je veux voir une sœur qui manque même la lotion, mais qui garde la sainteté. Dieu va la payer. C'est pour ce soir-là que je suis venu prêcher ce matin. Oui, les diables préparent un catastrophe pour ce monde. Quand Dieu prépare son église, les diables de son côté préparent notre disparition. Quel amour de Dieu pour vous. Vous allez comprendre comment est-ce que Dieu vous a aimé. Parce que le diable fait tout pour que tu ne pries pas, pour que tu n'avances pas. Toutes les difficultés que vous avez, c'est le diable. Je me souviens quand le Frère-Paul dit que ceux qui ne sont pas mariés ne se marient pas à cause du temps. Donc, faire quoi? On pêche même le mariage. Parce que le temps est où? Parce que ceux qui sont mariés auront des tribulations dans la chair. Là, faire quoi? On ne parle pas au mariage, on fait ce soir. Maintenant, quand il fait dans le mariage, il dit c'est vraiment à posséder. Nous comprenons, il n'a pas bien rapport. Parce que Paul dit dans le mariage, nous ferons des tribulations. Même le frère baptisé du Saint-Esprit nécessitera des tribulations. Même le frère baptisé du Saint-Esprit nécessitera des tribulations. Mais le message que je vous ai amené, c'est pour vous donner la force de vaincre. C'est-à-dire qu'on vient trouver un lion qui a terrassé un prophète, mais il était là. Il n'a pas déchiré. Il a seulement tué le prophète parce qu'il savait que les bêtes sauvages pouvaient aussi passer. S'il laisse des cadavres. Ce qui a tiki et bébé, le pasteur viendra prendre. Comme Moïse voulait prendre, comme le diable voulait prendre les cadavres. Et Dieu lui-même veillait sur les cadavres. Et le lion qui a tué, il veillait. Et curieusement, en face du prophète, il y a l'âne. Donc l'âne est là, le cadavre ici, et le lion ici. Si tu demandes au lion, mais tu peux pas manger là, non, le cadavre, je vais pas toucher là. Alors voilà, tu vas pas fuir le lion. Je ne fuirai pas. Parce que le cadavre. Et le lion ne peut pas me manger. Parce que sa colère s'est arrêtée sur le cadavre. Comment nous, déjà indignes, nous pouvons nous approcher de Dieu? Alors que c'est Dieu qui a mangé au tas de tombeaux. Qui a mangé au tas de sodomes. Il était le lion. Mais à la croix, il a mangé un homme. Et cet homme dans les arbres, nous pouvons voir Dieu. Dieu ne se mangera plus. Nous n'aurons plus peur de Dieu. Parce que l'homme nous a répondu. C'est ça l'amour de Dieu. Merci. C'est ça. C'est-à-dire, quelle que soit la souffrance, Christ nous garde. Voilà pourquoi
pourquoi nous avons dit dans l'Apocalypse 13, des bêtes, rapidement on parle. On a vu une bête qui sort de la mer. Une autre bête qui sort de la terre. Retenez ceci, en un mot nous avons dit. La bête qui sort de la mer. C'est le pouvoir politique. La politique. Qui sort de la terre. Pouvoir religieux. Je ne veux plus revenir parce que j'ai beaucoup parlé là-bas. C'est parce qu'on a parlé ici de l'antichrist. Et le faux prophète. Maintenant, nous avons lu les textes depuis le vendredi. Et nous l'avons repris aujourd'hui. Le texte dit ceci. Apocalypse 13, 5. Il lui a été donné au pouvoir d'agir pendant 42 mois. Je dis seulement ça. C'est-à-dire, quelle que soit la manigance de l'ennemi, mais Dieu a fixé un temps. Ça c'est la bonne nouvelle. Voilà ça comme là. C'est-à-dire le diable. Nicolette Kanyakweba. Pour lui, bon, il faut martyriser. Il faut tuer. Mais Dieu a arrêté le temps pour que le diable travaille. Voilà pourquoi nous avons dit ceci. Pour ceux qui écrivent, vous trouvez Apocalypse chapitre 17. Je ne veux pas faire beaucoup d'exercices aujourd'hui. Les longs choses à la place ici. Et bien, les points à mon regard. Prenez le verset 7, allez jusqu'au 9e verset. Vous allez voir ceci. Vous allez voir ce que le prophète reçoit comme l'explication. Vous êtes. Vous êtes. Vous êtes. La bête que tu as vu. Nyama oyo monaki. Était le passé, Azalaka, n'est plus le présent, Azali Susute, elle réapparaîtra le futur. C'est-à-dire que la bête Nyama a travaillé dans le passé, Azalaka, mais aujourd'hui, Kasilelo, elle travaille sous forme de mystère. Azali Posala na lolenge ya libombami. Elle travaille comment aujourd'hui? Pour ceux qui écrivent, vous devez vous prendre 2 Thessaloniciens chapitre 2. Commencez par le verset 3 jusqu'à 11. Vous allez voir ceci. Le frère Paul parle ici du mystère de l'iniquité. C'est-à-dire aujourd'hui, le diable travaille sous forme de mystère. Il travaille par les esprits séducteurs. Il travaille par les antichrists au pluriel. Donc, la Bible prenait 1 Jean chapitre 2, rapidement. 1 Jean chapitre 2, verset 17 jusqu'au 18e verset. Lisez ça, on gagne du temps, on n'a pas que je verrai que. L'autre personne lise afin qu'on avance. 1 Jean chapitre 2, 17, 18. Rapidement. 1 Jean chapitre 2, verset 17. Lisez ceci. Je lis rapidement. Et le monde passe, et sa convoiture aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 18. 1 Jean 2, verset 18. Petits enfants. C'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist. Attends. Vous avez appris qu'un antéchrist vient dans le futur. Descendez. Comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, mais maintenant, il y a plusieurs antéchrists. C'est-à-dire, avant l'apparition de l'antéchrist, il y a des antéchrists. Il y a plusieurs qui travaillent. Voilà pourquoi le Saint-Paul dit,
avec. Je suis venu vous dire ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toutes les églises que vous voyez, ils ne prêchent pas Christ. Tous les pasteurs que vous voyez ne sont pas envoyés de Dieu. Ne suivez pas les prodiges. Ne suivez pas les signes. Le diable, c'est un imitateur de tout. Nous ne sommes pas contre les miracles. Mais nous voulons un miracle qui est accompagné par la foi et par vous. Jésus-Christ dit, le miracle accompagné. Écoutez-moi très bien. Je vais vous faire quelque chose que Moïse nous a recommandé. Moïse a dit ceci. Si un voleur a volé, ceux qui volent ne voient pas. Vous l'avez rencontré. Kangaki il va restituer au propriétaire. Vous voulez ce verset? Une église prêche ceci. Église est beaucoup d'aller côté. Malachie a dit. Malachie a dit. Avant les jours de l'Éternel. Il y a monté mon corps et comme. J'enverrai Élie. La côté de la maison Élie. Ils ont pris ce verset. La Kamati et l'Éternel. Pour donner à un prophète. Pour pas presser à la Mosa. Le prophète là c'était volé. Oh, tout le monde est Mosa. Parce que toutes les écritures parlent d'un seul. Papa, tu m'as commis sur le même. Et le propriétaire c'est le Seigneur Jésus. Mais comment la cause à Jésus Christ? Élie, ce n'est pas toi. Élie, c'est celui qui est entré dans le temple. Il a dit ceci. Alors, il y avait plusieurs veuves. Mais Élie n'était pas envoyé vers elle. Élie était envoyé vers Élie a dit n'a pas qu'il n'est pas. La veuve de Sarepta. Moi, si mon coup fait donc à Sarepta. Élie a seul. C'était Jésus-Christ. Qui est venu en Israël. Nous disons le vrai chandelier.
l'église est un fondateur. Et ça n'a pas montré ça. Le fondateur de l'église. Mon salut à ça, il y a qui a son. C'est le bishop Tel. Et ça dit, épiscope Songo. Nous sommes messieurs. Dans le ville Tata. Un homme a dit. On te manque à le voir. Cette église. Et connaît l'église. Si c'est rock. Il connaît l'image. Je suis baptisé. Quand le fondateur de l'église. Ah, l'automne il y a église. C'est le Seigneur Jésus. Et dans la colonne Jésus. Il n'a pas fondé l'église. Yo, l'automne il y a église. Jacob,
Yakobo. Était dans la maison de Laban. Abani andako à Laban. Quand il a regardé le visage de Laban. Dans ma dalle où il y a Laban. Vous êtes? Vous allez? Vous y êtes? Vous allez? Il regarde le visage de Laban. Dalle où il y a Laban. Il ne veut plus de moi. On te l'a mis dans le coco. Il attend les propos de ses fils. Ayoki. Parce que les propos de ses fils sont expliqués par le visage. Le visage, c'est un message qui est expliqué par l'enseignement. Même Dieu, quand son visage était fermé, le message c'était Moïse. La loi que tu es. Mon père dans la qui pour moi. Le message est ouvert. Le message c'est la grâce. Ça c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Salomon. Salomon dit ceci. Salomon la colère du visage du roi. Le but était c'est le message de la mort. Et la qualité à Koufa. Mais si le visage du roi. Donc on est sûr que a mon et quand ils font les cinq amis, c'est la vie. Et ça, la carobie. Merci. Ça dit que le visage de là-bas. Et Nicolette et l'Onipé à là-bas. Ah, Seigneur Jacob. Et t'es à qui c'est là-bas. Jacob. Je dois partir. C'est là-bas. Comment Jacob. L'Onipé à Jacob. Vivait chez là-bas. Abika qui n'a pas là-bas. Mais le jour où il est parti. Avec sa femme, ses enfants, là-bas ne les connaissait pas. Là-bas, il m'a quitté. Merci. Voilà le vent. Il est parti dans le secret. Parce que le visage et le message ne correspondent plus. Ce monde ne va pas nous aimer. Le monde ne t'aimera jamais. Voilà pourquoi je veux une soeur que le monde dit Oyo à Bébi à cause de la doctrine. J'ai toujours dit aux frères moi, si n'a pas mariage, n'a pas bijou, tu es un païen. Parce que comment tu peux être attiré par une soeur avec des mini-chips? Tu as besoin de la délivrance. On a la peau pour se faire aucun mot. Amen. 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 Depuis quand? Machine. Mais nous, nous avons une sœur bien habillée dans la doctrine. Moi, sœur, à la qui tout le monde a mon bobo. Si tu dis avant la montée, ma tête, elle nous saute parce que. Tu as malade, tu as vendu la piscine à Bethesda, à Kesaïa, à Libana. Oui, la piscine à Bethesda, c'est l'Ikesa qui est à Koukou et à la main à Bobika. Tu n'as pas vendu la main au bon goût. À la talanoji, tu t'y as ou pas. Du jouer ça la tête, à ta combat, on te va dire, à la talan au bon goût à Bobika. Moi, ça qui parle à Bobika, tu es pour moi, les acquis. Mon père avant dans l'Israël, à Kessela mon père à la Libanda. Tika y avant dans le Bongo, à Kobika. Au Solomon, il y a eu la hache à Noé, c'est l'exemple à Ebaraye. Tika y est dans le Bongo. Mais il y a eu la Libanda pour au monde, c'est que yo, ça mourut la tête. Pour mourir la soirée, on a jidaté, à l'Ukana Isakar. Soirée, on a Isakar, à l'Ukana Da. Kenda, à l'Ukana Masaka, à la Santu. Au moins, la moitié de la vie. Amen.
Donc, tu as dit, tu peux lire ça, oh là là, mon travail. Les autres, chapitre 14. Quand même, je reviens. Passage au verset du Bible là-bas, tu peux lire. Les autres 14, verset 1er jusqu'au deuxième verset. Bien sûr, parce que là, je veux placer l'Apocalypse 13 dans les temps. Lis ça, s'il vous plaît. Les autres 14. Thank you, Mokada, au Bibi, Mokapé, en somme, Namine. Commencez dans le premier verset. Banda, Molongo et Animosu. Descendant de la terre. Donc il a cessé. Qui a donné à Moïse l'ordre de sortir de l'Égypte? N'a pas si la mort, c'est mon titre et à mon mari. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais remarquez maintenant les autres 14. On est venu annoncer à Pharaon. Aïe, koye, bisa, Pharaon. Pharaon. Israël est parti. Israël a dit. Il ne savait pas. Y'a Eva qui dit? Il ne savait pas. A Eva qui dit? Le monde sait que nous allons partir. Mon qui est aimé, t'es mis sur ce côté. Mais quand? Quand c'est le police, pas aimé. Il sera surpris. Ma colère, quand moi? Et Pharaon dit: Pharaon dit: Qu'avons nous fait? Pour s'aligner. En laissant Israël. La boutique à Israël. Israël. Il faut nous servir. Allez, va pour ça, la mission du sol. Un possédé est au service du diable. Comment Pharaon s'étonne? Parce qu'Israël n'a pas fui. Mais le texte dit Israël. Combien de Israël? C'est un fouille. C'est ça l'enlèvement. Nous sommes dans le monde. Accablé de souffrance. Nous sommes dans le monde. Mais il y a une promesse. Nous allons sortir. Voilà, remarquez, voilà. Ça sera l'enlèvement. Et vous allez nettoyer. Maintenant, après l'enlèvement de l'église, Dieu va s'équiper de la maison d'Israël. Il y a les temps fixés. Je ne vais pas vous chercher les 42 mois. C'est ce que je vais porter. Le mystère de l'iniquité agit. Voilà la disparition. C'est l'enlèvement de l'église. Nous allons nous revêtir de corps glorieux. Maintenant, quand il y aura la disparition, alors que l'apparition de l'église se fera. Voilà maintenant. Comment il s'appelle Yamotomabe et Gobima? Dans ici, c'est dernier calendrier. Les alliés, Naka Yasuka. Après l'enlèvement de l'église, si ma collègue en Maringomba, vous êtes, est-ce que l'église est partie du monde pour du monde? Et que les aînés, tout pour la liberté, nous sommes allés. Ok. Mais nous allons encore revenir. La bête qui sort de la mer. La bête qui sort de la terre. Ils vont dominer ici. Mais quand Christ reviendra, Jean vit la main. Le pied. Le colo. Sur la mer. Le colo à main. L'autre pied sur la terre. Le colo sous le colo. Pourquoi Jésus pose son pied sur la mer? Si Jésus pose son pied sur la mer. C'est une bête qui est sortie de
la mer. Pour sortir de la terre. Donc Josué a dit, quand vous foulerez vos pieds, je vous le donne. Jésus-Christ reviendra. Pierre tire la mer. Pour écraser la bête. Pierre tire la terre. Pour écraser la bête. Afin que lui soit le seul roi de la terre. Mais nous allons disparaître. C'est-à-dire que la grâce retourne dans la maison d'Israël. C'est ce qui a été fait. Quand Élie meurt, il y a le temps de Ikabod. Il y a plus de gloire. La gloire bannie. C'est à dire que l'arche est parti chez les Philistins. Après un temps, l'arche va retourner en Israël. Qui va retourner l'arche en Israël? C'est ça le détail. Qui vont prendre l'évangile? Vous trouvez ça dans la maison d'Israël. Yesu a confié à 7, oui, à Bouddha, il a 10. Thomas n'était pas là. Quand Thomas est venu, les 10 ont prêché Thomas. Nous avons vu le Messie. Il dit, je ne peux pas croire. Ça, c'est l'état de l'incrédulité de Thomas, l'état de l'Église. Mais il faut que Christ revienne un jour. Uniquement pour Thomas. C'est ça le ministère de Thomas. Que Israël va croire à partir de 144 000. Israël a condimé. Suivez. Ils ont le pouvoir. Apocalypse 11, 5, 6. Mais le texte dit ceci. Je suis dans l'Apocalypse 11, 7, soulignez ça. Là, je dois détruire un hôtel. Na kopuka etumbe lomoko. Les prêchent ceci. Je ne cite pas le nom. Quand les deux témoins prêchent à Israël, la bête travaille chez les nations. Nyama, akekosa na kati ya bata bisho. Je dis faux. Na lobi lokuta. Toute révélation qui contredit les petits, il faut la rejeter. Et moi, les seigneurs sont éternels et commis. Et c'est pour voir quand même. Voici les textes. Tala les commis. Quand les deux témoins auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de la Bible lèvera la terre. C'est ça Apocalypse 11, 7. C'est ça Apocalypse 17, 7. La bête que tu as vue est éteinte plus. Elle ne réapparaîtra. Voilà là où la grande tribulation commence. Voilà la pleine réalisation de l'Apocalypse 13. Voilà pourquoi Daniel chapitre 9, verset 27. Faites comme ça. Daniel 9, verset 7 égal. Daniel, Daniel 9, verset 7, Daniel 7, 25. Daniel, Apocalypse 11, 7. Et moi, je serai mon Apocalypse 13, 5. Et moi, je serai mon capazon, mon c'est-à-dire, au milieu de la semaine, on aura vu, voilà maintenant la manifestation totale. L'Antichrist, qui est la bête qui sort de la mer, et le faux prophète, qui est la bête qui sort de la terre. C'est là que la manifestation totale de la bête se fera. J'avais dit que la bête qui sort de la mer sort.
dans les nations. Alors là, tout sort de la terre de faux prophètes montera en Israël. Sortira d'Israël. Voilà pourquoi Christ dit dans Matthieu chapitre 24, verset 15. Lorsque vous verrez l'abomination du dévastateur qu'a prophétisé le prophète Daniel s'asseoir dans le temple de celui qui lise, fasse attention. Exactement, c'est ça, 2 Thessaloniciens 2:5. Voilà la maman m'a dit, c'est même faux prophète à Omi, et nous te remarquons. Pour la pambola. Pour la pambola. Parce que je suis là, on va dire à ma maman pour notre continuité. Zambé a-t-il dit Moïse qui est né pour délivrer Israël. Ok? Et ma maman a dit pour la Bible. Ma maman de l'Ampé a fait la frère au bazar de ma maman. On va comprendre ma maman la limite. Moïse qui est là pour délivrer Israël. Moïse aïe et pas à l'Andéponaïe. Moïse a quelqu'un qui est pas à l'Égyptien qui n'est pas à l'Anne. Et pas à l'Anne. L'Andéponaïe va tailler Moïse. Il faut pas lui d'abord aider le courant à la maman. Il faut pas la maman d'identité. Il va lui dire yo. Qui t'a établi juge, chef. Donc, il y a beaucoup, moi, aux Anaïdes, il y a célibataire, au roi, mon cas ancien, il faut avoir moi, c'est tout le monde à Banane, il y a célibataire. Si vous vous dirigez de ce qu'on a Moïse va voir qui Moïse. Tant qu'on va voir qui Moïse, Moïse a dit qui va nous accueillir et pas à Bicolo, pour nous qu'à moi. Pourtant, on va voir si on est à vos sommes là-bas. Si comme Moïse Wana, on va voir qui la bande pour aller, Jésus-Christ. Tant à Yen à Israël, Israël va voir pour envoyer, pour aller le peu célibataire, à Tiki va monter les poulous. Tant au Moïse, tant à Tiki va ne pour aller, à Tiki Israël, à Yen par la mission du Polo. Tant à Yen par le Polo, à Paris, moi, si mon pomme en aller, c'est Fora, mission église. A moi ce soir, on est pas la porte qui va là. Moi, la maman va à lui, des champs, mieux de Nicoloba, Nazara Moba Moubaï. C'est que moi, Nazara Moïse, Nazara Moba Moubaï. Moi, la monsieur, les airs, ils ont passé pour une gare. C'est-à-dire, ceux qui ont la carte la vie sur les potes à la Lubanza. Moutou a manifesté via Moubaï, la carte à Moukili. Père, vous avez la secours, les armes, la carte à Moukili, pour le Loba, et au bout de ce moment, vous et au bout de la carte. N'ayez soit votre cabisso, au monde, Moïse a votre cabisso, à cause de la soupe de Ponaïe. C'est que Yesu a votre cabisso, au monde, à ce que nous avons parlé dans les colons, il faut supposer que la bande de Ponaïe, pour atteindre à Bango, ma cambo, le bambo, y a qui dit Bosso. Moïse croit que nous avons voté à Kenana à Rome. Pour la ligne. Pour ceux qui m'ont dit qu'on a témoigné, j'ai pour ceux qui ont besoin de lui parler. C'est ça qui est témoin. On a dit que Moïse n'a pas été témoin. Mais on a dit que n'est-ce que Moïse n'a pas été témoin. Ils ont encore la tête de moi par rapport à l'Israël. Tant que pas été témoin, par rapport à Banane, par rapport à l'Iboso, par chef, par ancien, ce sont les sacs à la carte de l'Iman, par mon dieu. Tant que pas été témoin, ne pas la masse liquide, dans la place à Bandi Papas. Moïse a été à Bato-Kobabima. Allez, redoublez la corvée. C'est ça la grande tribulation. La souffrance va s'augmenter pour empêcher le peuple de retourner dans l'éternité. Est-ce que tout le monde m'a compris? Amen. Tout le monde a compris? Raison pour laquelle tu reviens que Awa s'est dissous la bête. Papa, viens, viens au travail parce que
beaucoup de gens nous suivent dans le monde entier. C'est ici où nous disons la bête qui sort de la mer, c'est-à-dire l'antichrist et le faux prophète, vont travailler pour séduire la terre entière. Je veux poser la question.